Par défaut, lorsque vous ajoutez vos produits sur votre site Bottom, Bottom va automatiquement créer des pages comme celle-ci pour présenter vos produits ou services. Donc, vos clients auront la possibilité de voir vos produits avec différentes photos que vous aurez ajoutées, de voir ou bien d'être convaincu avec la description que le produit, c'est ce qu'il leur faut, de voir le prix et le titre du produit. Donc, tout ce qui manque en fait à l'utilisateur, c'est normalement juste de commander le produit. Maintenant, s'il a des questions à poser, il peut également avec ce lien à cliquer et vous contacter avec un lien de contact que vous aurez fourni. Donc s'il veut commander, en fait, il peut simplement cliquer ici. Et vous, dans le formulaire de création de votre produit, vous avez dû mettre un lien de commande. Le lien de commande peut être un lien WhatsApp ou un lien plus ou un lien de paiement. Donc, si c'est un lien WhatsApp, lorsque le client va cliquer sur commander, va être redirigé sur WhatsApp. On va lui demander en fait s'il veut continuer la conversation. Et lorsqu'il accepte, il va être directement redirigé dans votre conversation WhatsApp pour vous écrire. Et c'est la même chose en fait avec les paiements, avec les pages de paiement. Donc, il va cliquer sur commander et il va être automatiquement redirigé sur une page de paiement. Donc, il va revoir des informations ici et il a la possibilité de créer, de mettre son nom, son prénom et de payer pour le produit. Donc voilà un peu à quoi va ressembler la page de paiement sur un intégrateur comme VedaPay. Donc si vous remarquez, le problème qu'il y a avec ces deux approches, c'est que le client est amené à faire des étapes supplémentaires. Lorsque par exemple il doit vous contacter, c'est que il va vous contacter, vous demander et vous dire qu'il veut payer tel produit, il va devoir rechercher encore l'image pour vous afficher et tout. Il y a beaucoup trop d'étapes complémentaires qui peuvent en son temps démotiver le client à acheter. Vous lui donnez un peu trop de temps de réflexion et il peut finalement changer d'avis, décider de ne plus acheter. Et c'est un peu la même chose pour les paiements également, les pages de paiement, parce que il doit aussi faire beaucoup d'étapes supplémentaires. Et en plus, ça ajoute en fait une crainte ou une méfiance. Parce qu'il va quitter une page, un site web avec une expérience assez jolie pour un site web où c'est moins bien fait. C'est moins bien fait et il peut se demander également, vu que l'expérience sera différente, s'il est toujours sur votre site web ou s'il a été redirigé par des arnaqueurs ou autre chose. Donc, il peut avoir beaucoup de craintes en fait par rapport à ça. Et donc, l'idéal en fait serait que depuis ce site web là, depuis le site web que vous avez créé avec Boton, qu'il puisse directement en cliquant sur commander par exemple, commander pour votre produit. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, comment est-ce qu'on accepte les paiements en ligne. Donc nous allons prendre le cas de FedaPay aujourd'hui. Donc, pour pouvoir accepter les paiements en ligne, vous allez devoir avoir un compte sur FedaPay. Je vais vous montrer dans notre admin bouton. Là, nous sommes dans la page de configuration e-commerce. Vous allez voir ici, il y a différents intégrateurs de paiement. Nous avons FedaPay et PayPal. Donc, PayPal vous permet de pouvoir accepter les paiements en ligne par carte bancaire et par PayPal. Et pour cela, vous devez avoir un compte PayPal. FedaPay, c'est un intégrateur de paiement plus africain qui permet en fait de pouvoir accepter des paiements en ligne par Mobile Money, par carte bancaire. Donc, par Mobile Money, ce sera dans des pays de couverture de FedaPay. FedaPay n'est pas malheureusement pour l'instant dans tous les pays. Ils sont actuellement dans 4 pays et ils pourraient être en plus. Ils sont en train d'ouvrir d'élargir leur couverture dans d'autres pays. Alors, nous allons cliquer sur connecter. Ici, nous allons essayer de connecter FedaPay. Donc,
Vous devez en fait suivre les instructions qui sont ici. Nous avons également une documentation sur notre blog support et vous pouvez également la suivre pour pouvoir connecter votre compte FedApay. Maintenant, si vous n'avez pas de, si vous n'avez pas encore un compte FedApay, vous devez cliquer ici pour créer le compte. Nous avons déjà un compte, donc nous allons aller dans FedApay. Ici, c'est la page d'accueil de FedApay. Et ici, vous aurez un peu des informations par rapport à votre chiffre d'affaires, le nombre d'actions que vous avez fait, le nombre de paiements que vous avez reçus et d'autres informations importantes. Donc, moi, je suis dans un compte test. C'est pour ça que c'est écrit ici, Sandbox. Sinon, normalement, si vous créez votre compte, normalement, ici, ça va être écrit live. Donc, dans les comptes test, c'est juste pour pouvoir tester et tout. Et ça me permet de pouvoir vous montrer facilement comment est-ce que les paiements vont s'opérer, vont se faire sans débourser réellement de l'argent. Donc, normalement, lorsque vous créez un compte FedApay, vous allez devoir après soumettre le compte pour validation et vous allez mettre vos informations personnelles. Si vous êtes une entreprise, ils vont vous demander le numéro IFU et toutes les informations de ce genre-là. Maintenant, si vous êtes juste une startup qui commence, vous pouvez également, il y a un endroit où on vous demande en fait quel type d'entreprise vous êtes. Donc, si vous êtes une startup, on ne va pas vous demander beaucoup d'informations, juste votre carte d'identité, votre signature. Maintenant, ensuite, vous serez limité par le nombre d'actions que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas excéder plus de 8 transactions la semaine, je pense. Et le montant maximal de produits que vous pouvez vendre est de 25 000. Donc, ça, c'est par rapport à la restriction startup. Mais par rapport à le type de compte entreprise, c'est plus large. FedApay fait ça pour s'assurer de la sécurité de toute personne en général. Parce que si il y a plein d'entreprises qui peuvent utiliser FedApay et essayer de faire de la narque, et ce ne sera pas bien que FedApay permette ce genre de choses de se produire. Donc, une fois que j'ai expliqué cela, je vais vous montrer maintenant comment je peux intégrer FedApay à mon espace, à mon site web. Bouton. Donc, on m'a demandé ici une clé publique et une clé secrète. Donc, je vais dans FedApay, je vais dans API. Ici, vous allez voir qu'il y a une clé publique. Donc, je copie la clé publique et je viens la coller ici. Et ensuite, on m'a demandé une clé secrète. Je copie la clé secrète et je viens la coller ici. Et donc, ensuite, je clique sur enregistrer. Donc, après avoir cliqué sur enregistrer, cela m'a redirigé sur cette page-là où on m'informe que les clés FedApay ont été enregistrées avec succès et que pour finaliser l'intégration, je dois cliquer sur le bouton et je serai redirigé. Normalement, si j'étais en compte là, je serais redirigé sur FedApay pour confirmer l'intégration. Donc, donc, ça se passe en fait pour l'intégration du site web. C'est juste pour valider en fait que à FedApay, valider à FedApay que ce site web est autorisé à accepter les paiements. Donc, nous allons cliquer sur confirmer et ça va ouvrir un pop-up de paiement. Vous peut-être ça va vous rediriger d'abord avant d'ouvrir le pop-up, mais dès que le pop-up est ouvert en fait, ça signifie que l'intégration a été effectuée. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure en fait l'expérience que vos visiteurs auront quand ils vont vouloir payer sur votre site web. Mais en gros, là, moi je vais créer, je vais mettre le numéro de téléphone, je pourrais tester et cliquer sur payer 1 franc. Et vous, ça ne va pas marcher parce que 1 franc n'est pas réellement, c'est pas suffisant pour accepter les paiements. Généralement, les paiements sont acceptés à partir de 100 francs minimum. Et voilà. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller juste là. Dès que le pop-up est ouvert, en fait, vous pouvez déjà juste continuer à faire autre chose. Donc, là, moi, je vais vous montrer. On clique sur retour et on est redirigé sur cette page-là où on voit que FedAPI est maintenant bien connecté.
Et donc, assurez-vous aussi que ici, la devise, c'est le franc CFA. Si ce n'est pas le franc CFA, faites à peine la tête que la devise en franc CFA. Donc, vous devez peut-être passer sur PayPal si vous voulez accepter les paiements en euros, en dollars, ou etc. Donc, si c'est en franc CFA, ce sera comme ça. Mais si ce n'est pas en franc CFA, il y aura une alerte qui va vous informer que vous devez changer la devise de votre épaule. Donc, même si c'est en franc CFA, les gens peuvent payer par carte bancaire de l'extérieur. Ce sera en franc CFA. Donc, ensuite, nous allons aller sur le site web. Nous allons recliquer sur le produit et vous allez voir que maintenant le bouton commander est précédé de quelques champs. Donc, on demande à l'utilisateur son email, son prénom, son nom et l'adresse de livraison. L'adresse de livraison est demandée justement parce que dans le formulaire, en fait, nous avons notifié que ce produit est un produit à livrer. Donc, lorsqu'un produit est livré, le système Boton demande en fait à tout acheteur l'adresse de livraison afin que vous puissiez, depuis votre email, avoir toutes les informations nécessaires pour justement accepter, pour justement aller livrer rapidement votre client. Donc, je vais renseigner les informations pour vous montrer l'expérience totale. Et je clique sur commander. Donc, le même pop-up de tout à l'heure va s'afficher, mais vous allez voir une différence, c'est le prix. Vous voyez ici, je renseigne mon numéro de téléphone. Je choisis en fait de payer par MTN ou bien par tous les autres réseaux. Donc, il y a le Niger, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Togo, il y a le Bénin. Donc, une fois que j'ai choisi mon réseau, je pourrais mettre le numéro de téléphone. Donc, moi je suis en test, c'est pour ça qu'il n'y a que mobile. Mais si vous créez votre compte avec, si vous créez votre compte et que vous êtes par exemple en entreprise, il y aura également carte bancaire. Si vous créez votre compte par contre et que c'est juste startup, les paiements seront seulement possibles par Mobile Money. Donc, je clique sur payer. Donc, une fois que votre acheteur, votre client clique sur payer, il va recevoir un message, une notification sur son portable. Il va cliquer, il va demander son code PIN et accepter le paiement. Et c'est ensuite maintenant qu'il va être redirigé sur le site web, sur cette page qui confirme bien que le paiement est passé, que la commande est passée et qu'il sera contacté bientôt. Donc maintenant, vous, à votre niveau, vous allez recevoir en fait un email qui va vous informer que vous venez de recevoir une commande de tel produit et la personne va être livrée à tel endroit. Donc, vous pouvez également retrouver cette information-là en allant sur votre tableau de bord Boton. Vous allez aller sur les commandes dans le catalogue et vous allez voir la commande qui sera normalement affichée ici. Vous avez la date et l'heure de la commande, le moyen utilisé pour passer la commande. Donc, si on clique dessus, on a plus d'informations. On a également la date, le prénom, nom, l'email, l'adresse de livraison, le moyen de paiement, le service de paiement et d'autres informations importantes comme l'identifiant de la transaction, c'est un problème avec la transaction et tout. Donc, voilà comment intégrer et accepter les paiements en ligne par Mobile Money et carte bancaire grâce à FedaPay.